Salut, salut! Aujourd'hui, un nouveau rituel avec de l'eau, avec du miel et quelques petites choses. Je vais vous dire ce qu'il vous faudra. Hop, je vais mettre le verre ici. Alors, ça c'est plutôt quand la relation est froide, qu'il est distant ou elle soit distante. Bon, par exemple, si vous voulez sortir avec une personne, donc mets-le dans l'eau et du miel et ça va le rendre fou ou folle de toi. Allez, bonjour, je suis Farake et je suis là pour vous conseiller. On va démarrer le rituel. Donc, qu'est-ce que vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'un verre d'eau, du robinet, c'est bon, ou d'une bouteille, stylo bleu, papier et miel. Et miel, miel, miel. Avant de démarrer, n'oubliez pas mon livre « Comment devenir une femme fatale et les rendre fou amoureux de vous hein ». Fou amoureux en 21 jours. Donc, c'est un livre, il est en dessous dans la description. Vous verrez tous les liens. N'oubliez pas de récupérer vos cadeaux en dessous dans la description et comment sortir d'une relation toxique ou s'échapper d'une personne qui manipule. Donc, il y a tous les trucs dedans. Ce sont des livres de coaching. Ils sont géniaux. Alors, on va démarrer. Donc, je vous montre donc ce dont on a besoin. Donc, on a besoin du miel, d'un stylo bleu, une feuille et le verre d'eau. L'eau ne doit pas être spécialement chaude pour ça. Alors, allez, c'est parti. Donc, n'oubliez pas aussi que pour un rituel personnalisé, si vous avez un peu du mal, vous pouvez me contacter. Je laisserai mon Insta, Snapchat, mon email et mon WhatsApp. Vous avez tout, tout, tout. Alors, je voulais dire un petit truc avant et je crois que j'ai oublié. Oui, aussi. Si ça ne fonctionne pas, refaites-le. Et ne baissez pas les bras après l'avoir fait une fois. Ce qui compte, c'est dans une énergie. C'est pour ça que je vous recommande de voir une fois, deux fois s'il le faut. Ça dépend dans quel état vous êtes. Même deux fois, c'est mieux. Revoir cette vidéo bien pour prendre l'énergie que je vous envoie dans cette vidéo. Allez, on démarre. Donc, on va couper le papier. Là, c'est un peu grand. Moitié d'une feuille, bon, c'est une feuille A4, c'est un peu grand, donc peut-être un papier comme ça. Vous verrez, c'est un peu spécial par rapport aux autres fois pour ceux qui me suivent. Donc n'oubliez pas les bords. Hop, là. Là, je le fais pas puisque je viens de le faire. Donc ça, c'est si jamais vous avez des petits bouts que vous l'avez fait hier ou avant-hier, alors vous recoupez. Alors, vous allez mettre déjà votre, donc au milieu, le nom de la personne. Toujours Pierre Dupont. Pierre, si tu m'écoutes, salut, bien le bonjour. Donc, ici, donc vous avez mis son prénom et son nom. Si vous n'avez pas son nom, vous mettez une caractéristique. Il travaille chez Ikea, j'en sais rien, je sors des trucs. Il a les yeux bleus, Pierre les yeux bleus, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, désolé, quand j'aurai déménagé, oui, je redéménage encore. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs vidéos postées pour les dates qui vont suivre. Je repars encore, en fait, dans un autre pays. Ceux qui me suivent bien, ils savent où je vais aller. Et ensuite, vous allez mettre votre nom et votre prénom sur le nom et prénom de la personne. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un truc comme ça, en fait. Un peu bizarre. Donc, je vous le montre d'en haut. Voilà, avec un truc un peu bizarre. Donc, j'ai mis d'abord le nom et le prénom de la personne. Et ensuite, mon nom dessus. Par au-dessus. Donc, pour vraiment lier et le rendre dingue ou la rendre dingue. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le papier, visualiser. La visualisation, c'est hyper important parce que ce que vous projetez, mais la visualisation maintenant, au moment présent. Donc, ce que vous projetez, donc, ou ce que vous vivez en fait, c'est ce qui va faire que vous allez l'attirer. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand je vous dis que vous n'êtes pas dans l'énergie, souvent en commentaire, l'énergie vient aussi des émotions. Si vous avez une mauvaise émotion, avant ça, vous avez une pensée. Ensuite, ce sont les actes et puis les émotions. Donc, vous allez être dans une mauvaise énergie, une énergie basse, basse vibration, fréquence, tout ça, c'est pas bon. Donc, ne faites pas ce rituel si vous êtes vraiment désespéré ou attendez. Essayez de changer votre mindset. Donc, vous le serrez comme ça en visualisant.
Ensuite, vous allez mettre le miel, du miel dans l'eau, ici. Voilà. Alors, attention maintenant, parce que ce ne sera pas avec une cuillère. Ça ne peut pas être quelque chose qui soit avec de l'aluminium, en fait. Vous pouvez prendre une paille, mais c'est mieux de le faire avec le stylo avec lequel vous avez écrit. Et vous allez tourner dans le verre. Attendez, je vous montre. Ça avait coupé. Donc vous avez le miel et vous allez tourner afin qu'il soit bien mélangé. Mélangez bien. En regardant l'eau, en fait. C'est un pouvoir aussi. Vous regardez l'eau. Et vous mélangez. Je trouve que ça donne vraiment une sorte de... C'est déstressant, en fait, faire ça aussi. Donc, c'est très bien pour le rituel. Voilà. Vous mélangez bien pour que ça se dilue vraiment bien. Voilà. Donc, quand c'est bien dilué... Bon, je ne vais pas le faire non plus jusqu'à complète dilution parce que ça prendrait trop de temps dans la vidéo. Ça, je le fais moi. Vous ne devez pas le faire. Alors, donc, vous avez là votre verre qui est, tout est bien mélangé. Là, j'ai laissé, mais bon, c'est pour pas que ça prenne des plombes aussi la vidéo. Mais vous mélangez tout bien. Quand vous avez mélangé, vous allez plier le papier en deux seulement. En une fois, en fait. Voilà. Et vous allez le plonger dans le verre. Je vous montre. Doucement. Que le verre, l'eau, avec le miel, prenne bien le papier. Soit bien, bien, bien. Voilà. Donc, il faut qu'il soit mouillé complètement. Voilà. Voilà. Donc là, il est bien mouillé. Il est bien à l'intérieur. Ensuite, vous allez mettre ça, en fait, dans votre chambre. Uniquement la pièce de la chambre. Vous pouvez le cacher ou pas le cacher, comme vous voulez. Ça dépend à qui vous vivez. Mais personne ne doit le toucher. Personne. Si quelqu'un le touche, même un chat ou un chien, surtout les animaux, parce qu'ils ont, ils vont changer l'énergie que vous avez mis, en fait. Donc, ça va vraiment changer l'énergie et c'est pas bon. Ni des enfants, ni une autre personne. Donc, sinon, cachez-le. Vous allez le mettre pendant 7 jours et 7 nuits, vous allez le laisser. Il va revenir rapidement ou elle va revenir rapidement. Enfin, en tout cas, devenir fou ou folle. Et ensuite, vous allez jeter tout ça dans vos toilettes. Tout ça dans vos toilettes. Et vous allez tirer la chasse avec le papier inclus. Et le rituel est terminé. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Je vous invite à liker, à commenter. Dites-moi si vous voulez des rituels. S'il y a beaucoup de gens qui me demandent le même rituel pour la même chose, je le ferai. Sinon, je fais les rituels qui sont super intéressants et que j'ai testé évidemment. N'oubliez pas la formation loi d'attraction, deux masterclass gratuites et partagez, likez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vous love. Ciao!